Bien, bonjour à tous, comment allez-vous? Alors moi voici pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, nouveau colis. J'avais promis que j'allais recommencer mes vidéos, sauf que bah, comme vous le savez, j'avais plus du tout de micro vu qu'il était mort. Et que encore maintenant actuellement, ce que vous entendez, et bah, ça vient de mon micro, de mon Natel. Donc autant dire que c'est pas dingue. Et puis bah, c'est temps, j'ai déménagé, donc du coup vous saurez que j'aurai tout bientôt. Je vais faire une vidéo vlog où vous pourrez voir ben, l'endroit où je vis actuellement. Mais pour l'instant, on est à notre colis. Donc j'ai reçu mon colis hier. Alors je me suis dit, on va faire une petite vidéo ensemble. J'ai déjà un peu ouvert, comme vous pouvez le constater, parce que ça faisait un bruit d'enfer à enlever. Alors du coup, découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. H2N que je connais pas du tout. J'ai regardé un peu les commentaires pour voir s'il était bien. J'ai pas regardé si c'était ASMR ou pas. Enfin, si c'était adapté pour l'ASMR, mais je pense que si, à mon avis. Alors, du coup, ben, on va voir un peu comment il est. Voilà, voilà. Alors, j'ai eu une promotion. J'ai pu acheter ben, le micro. Je pense que il fait, ouais, bah, il fait le gauche droite etc, donc ça va être sympa. Je pense pas que je pourrais faire du binaural avec elle, du binaural, mais c'est possible à voir. Donc la prochaine vidéo ben, ça sera avec ce micro bien évidemment. Donc voilà, je sais pas si vous arrivez à voir avec le focus. Voilà, donc très bien. Et puis on a, bah, j'ai reçu en fait un kit d'accessoires, donc ça c'est super bien. Parce que j'ai le trépied qui va être très utile. J'ai une boîte pour ranger mon micro, ce qui est aussi très utile. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que je peux appuyer pour enregistrer, etc. Donc ça peut être pratique. Et j'ai une pommette, ça c'est très intéressant. Donc on verra ce que ça vaut. Donc voilà. Et bien alors on va l'ouvrir. Donc je sais pas si vous connaissez déjà ce micro. Donc dites-moi des avis dans les commentaires si vous connaissez ou pas. C'est vrai que le Blue Yeti, moi j'aimais bien avant. Sauf que depuis qu'il a pété, c'est un peu dommage, mais bah, j'ai dû m'en séparer. Alors je suis très surpris de voir qu'en fait il est tout petit. Il est minuscule, regardez-moi ça. Voilà. Donc il tient dans ma main, quoi. C'est vraiment tout petit. Très léger. Très léger. Et San, fout le camp. Attendez, il y a mon chat qui fout le bordel. T'as dit salut à la caméra. Coucou. Ouais. Donc ouais, très léger. Je pense qu'il doit très bien fonctionner à mon avis. Donc ouais, ça va être sympa. Donc on peut réguler le gain ici. J'ai pas encore regardé exactement. Ah bah voilà, c'est comme moi j'ai envie de l'utiliser. Donc ça peut être sympa. Ah, ça c'est pratique aussi. On peut mettre une carte à l'intérieur. Ça c'est cool. Donc de toute façon, je vais sûrement l'utiliser que pour l'ASMR. Je vois pas pourquoi je pourrais l'utiliser. Propos des gameplays à la limite. Bah ça, du coup, les gameplays, je voulais peut-être en refaire. Donc ça c'est encore à voir si ça vous intéresse ou pas. Donc là c'est que du carton. Ah, il y a des piles. Okay. Ah ça c'est pas dingue alors que ça fonctionne à pile, ça me fait un peu cheleux. Mais je pense qu'il doit avoir un chargeur avec. À mon avis, je vais voir ça. Ouais, il y a un câble. Ouais ouais, c'est très bien. Sinon je m'emmerderai avec ça. Donc voilà, très bien. Ça, je vais le regarder de mon côté comment il fonctionne parce que je pense que je vais galérer au début. Alors ça, tu dégages. Et puis, on va faire un peu de place. Et puis les accessoires.
ça c'est très bien. Ah, c'est peut-être pour tenir. Je sais pas pourquoi c'est. Ah voilà. C'est pour tenir sur sur une barre en fait. Si j'ai envie de le mettre sur un trépied plus grand. Très pratique aussi. Donc voilà. Il n'y a pas énormément de choses. Ça va être une vidéo très très courte, hein. Je suis navré. Mais la prochaine vidéo, bah dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous aimeriez comme vidéo. Parce que là maintenant j'ai un peu plus de temps pour moi. Je vais voir vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc ça, c'est à vous de me dire qu'est-ce qui vous intéresse. Mais du coup ça va être intéressant du tout.